Le petit, d'accord. Le petit, le petit Lidan, quoi, avec une équipe de type aquatique. Alors, ce que je vais faire, c'est pas top, hein. Oups. Déjà, c'est pas ça. C'est de le toucher avec le geyser. Bien sûr, amplifié avec les SEM. Bon, d'accord. Je pose un objet. Et l'objet rate. Il esquive l'objet. Voilà. Non, mais sérieux. C'est un peu chiant son évasion. On veut toucher avec l'exposé. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, on explose. Et bien sûr, on veut le toucher avec le geyser amélioré. L'idée, ce serait de le finir avec OB tout entier sous SM. Non. Non, non, je refais. Je refuse de voir un geyser qui ne marche pas. Alors bien sûr, toute la difficulté vient de là. Faut pas déconner. Hop. Mieux vaut qu'il nous esquive tour 1. C'est plus rapide que de devoir tout refaire tour je ne sais combien, tour 6. Notre ami des murlocs. Oh, il a raison de vouloir unifier tous les murlocs au respect de la nature en fait. Hein. Ça touche. Non, ça touche pas, c'est pas grave, on est 600. C'est dommage, ça fait un sacré assist au DPS. De toute façon, 6. Ok. Monsieur défie toutes les statistiques en esquivant tout, absolument tout et n'importe quoi. Bien sûr, par y arriver. Jusque-là, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'il esquivait là? Ah! Il a esquivé une paire de 5% de sa vie. Très bien. Maintenant, s'il te plaît, ne l'esquive pas. Et dites-vous que c'est le plus rapide. Hein. Je vois pas vraiment comment faire sinon en aquatique. C'est le genre de truc qu'on a de la chance, on l'a pas. On peut y passer 15 minutes comme on peut y passer une. C'est capable de rendre un peu fou. Tout ça parce que RNG is fun. Moi, je vais vous dire, en fait, c'est une campagne de prévention maquillée contre les jeux de hasard. Parce que quand vous voyez ce genre de truc ou les légendaires de Légion, bon, bah, vous dites les jeux de hasard, c'est de la merde. Non. Honnêtement. Honnêtement. Tiens, on lui met même un coup critique, c'est bon signe. Yeah. Là, on respam des bandes. Non, parce que le prochain tour, il va faire ça. Voilà. On refait des bandades. L'idée étant d'augmenter ses dégâts subis de 100%. Et si on touche avec OB tout entier, on lui fera très très mal. Hein. Bon, vous voyez, 634, si c'était x2, on aurait fait 1268. Voilà. Alors bien sûr, le problème de ces mascottes étant bien que le gaz rookie est génial, mais il a un petit prix LHDV quand même.
La jeune grenouille gobeuse aussi, donc en double on n'en parle même pas, là on parle au moins de 80 000 pièces d'or. Mais bon, vous pouvez toujours essayer de spam les mascottes plus rapides que lui, sachant qu'il a 297 de vitesse. Donc les mangoustes sont très bien pour ça, parce qu'ils sont rapides. Vous pouvez essayer de spam avec rongée. Vous voyez quand survivre avec survie et quand plonger pour gagner un tour. Si en plus de cela, vous n'avez pas de dot sur la gueule, que vous faites survie puis plongée, et qu'au moment où vous remontez, il fait sa métamorphose, vous pouvez refaire survie et donc gratter encore 2 tours. N'y a pas vraiment de mascotte absolument géniale, capable de le one-shot, etc. Parce qu'il fera pas plusieurs fois. Ouais, ça peut être une idée, Bulbul. Non, en fait, quoi qu'il se passe, vous êtes soumis à RNG, alors. Essayez de pas en faire trop, essayez de faire simple. Voilà, essayez de faire simple.